Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des moniteurs. Les moniteurs, il vient avec le thermomètre. Ça, c'est une sonde qui donne la température. L'oxymètre de pouls, parfois appelé aussi saturomètre. Le tensiomètre, donc brassard. Il y a plusieurs tailles, celui-ci correspond à l'adulte moyen, mais on a aussi des tailles pour les bébés, les nourrissons et les personnes obèses. Et le CG. Donc chacun se branche ici derrière. Le thermomètre sur temps A, parce qu'on a la possibilité de mettre deux thermomètres à deux endroits différents, c'est une option. SpO2 pour le saturomètre. Le tensiomètre ici dans NIBP et le CG dans ECG. On allume l'appareil comme ça. L'appareil est muni d'une batterie, donc on peut le charger et peut fonctionner plusieurs heures sans être branché. Donc c'est un appareil qui est mobile. Et le voici quand il est allumé. Donc si je mets ici, il y a le doigt qui est illustré, donc il faut mettre le doigt à l'intérieur. Comme ceci, dans le sens de l'ongle. Et ici, dans SpO2, on aura ici en rouge, donc SpO2 ici en rouge et ici, on a ma saturation en oxygène qui est ici de 100% et qui elle donne aussi mon pouls qui est de 50 battements par minute. On a aussi ici température. C'est la température de la sonde qui est ici. Donc si je la tiens et que je la réchauffe un peu, en général elle est scotchée sur le patient, et on va voir que ça va augmenter progressivement. 24,9, etc. Donc bon, le CG n'est pas branché, mais normalement les valeurs de le CG sont en vert ici. Et le débit respiratoire ici, qui est aussi une option, n'est pas branché non plus. Le mieux, c'est qu'on aille dans le menu en allant ici dans Réglages. Comment on fait? On tourne ici et on choisit, on descend jusqu'à Réglages. On appuie pour valider. On vérifie que la langue est bien en français. Sinon, on va dans la langue et on modifie. Et on passe en mode démo. Voilà, ici l'appareil se comporte exactement comme si il était branché à un patient. Donc le CG qui donne les valeurs ici, 60 battements par minute, sa température de 37,7. On peut mettre deux sondes, donc il y en a deux pour vérifier, pour être sûr. La saturation en oxygène, donc c'est l'oxymètre, 98%. Il nous confirme aussi que c'est 60 battements par minute. 20 pour le débit d'oxygène. Et le tensiomètre qui nous donne une systole de 120 et une diastole de 80. Donc ça, c'est la partie qui est en rapport avec le tensiomètre. Donc avec le menu, on peut aller sélectionner, par exemple, sélectionner des alarmes. Si on a un pouls qui descend en dessous de 50 battements par minute, on aimerait bien que l'appareil nous donne une alarme pour prévenir l'infirmière. On clique comme ça et on sélectionne ici. Alors HR, alarme haut, par exemple à partir de 120 battements par minute, il y aura une alarme. Ou à partir en dessous de 50 battements par minute, il y aura une alarme. On peut faire la même chose avec la température, en dessous de 36 degrés ou au-dessus de 39 degrés. On peut faire la même chose. En gros, on paramètre l'appareil pour que dès qu'il y a une valeur qui est critique, qu'on avertisse l'infirmière ou les médecins. Pareil pour le taux d'oxygène et pareil pour le tensiomètre. Alarme si la systole est supérieure à 100, 160 ou alarme si la systole est inférieure à 90. Pareil pour la diastole. Ensuite, les boutons ici, celui-ci sert à lancer le tensiomètre pour lancer une nouvelle mesure de tension.
Donc on peut voir ici, c'est affiché comme un brassard. Celui-ci qui sert, par exemple, si on débranche le patient, toutes les valeurs vont chuter. L'appareil va commencer à sonner. Pour éviter ça, on appuie ici et on met une pause de toutes les alarmes pendant 120 secondes. Donc on appuie pour enlever. Ici, ça nous permet de figer l'écran s'il y a quelque chose qui nous intéresse. On veut montrer quelque chose d'anormal, on peut figer l'écran. Ça, c'est pour enregistrer. Et ça nous permet de revenir à un mode d'affichage, disons, qui garde que l'essentiel. Ici, on a la fréquence cardiaque, le taux de saturation d'oxygène, systole, diastole, le débit d'air et la température. Donc, en général, vu qu'ils sont en gros, en général, c'est les valeurs que les médecins, pendant une opération, ils ont besoin que de ça. C'est le plus important. Donc, on revient en cliquant ici pour revenir au mode d'affichage normal. On a aussi la possibilité, en allant dans réglages, de diminuer le niveau des alarmes sonores ou de l'augmenter. Donc on va dans volume alarme, si je l'augmente, par exemple, je le mets sur 4. Et que, on va voir est-ce qu'il y a une alarme. Là, il n'y a pas d'alarme parce que tout est bon, mais en le mettant sur 4, on l'entend de loin. Ça fait beaucoup de bruit. Et en le mettant sur 0, on n'entend rien. Pour le mode démo, en général, on le laisse sur 0. Donc voilà, l'appareil est aussi fourni avec une fiche comme ça. En général, c'est la prise, dans certains hôpitaux c'est obligatoire, c'est la prise terre. Elle va à la terre. On la branche ici et normalement il y a une prise murale ici ou quelque chose qui permet d'aller à la terre. C'est bien ça, en général, ça permet d'avoir des valeurs pour le CG. Ça me permet d'éviter d'avoir des interférences avec le CG et d'avoir des valeurs propres. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, revenez vers nous et vous aurez d'autres informations sur la fiche de formation produit. À bientôt!